Je suis mademoiselle Zaïna Bassangui-Bénédicte. Mon message aujourd'hui par rapport à la jeunesse, c'est un message d'espoir. C'est un message d'espoir aux jeunes en leur montrant que ce qui n'a pas allé, ensemble, on peut les faire. Et faire donc ensemble, on peut tout faire pour les rendre positifs. Je pense aujourd'hui tous les jeunes, on devrait s'interpeller et comprendre tout ce qui n'a pas marché pour que nous puissions ensemble y apporter des solutions. Et c'est là qu'on pourra arriver à apporter des solutions le temps qu'on va se sentir tous être unis. Et en étant unis tous ensemble, on va essayer un peu de relever nos défis et apporter des solutions à nos problèmes. Parce que je suis sûr et certain que si nous, personnellement, nous ne prenons pas conscience et prendre en charge nos problèmes, personne ne viendra le faire pour nous. C'est pourquoi tous, on doit prendre conscience, relever les défis et apporter des solutions à nos problèmes. Donc, j'appelle les jeunes. J'ai défait seulement un message d'histoire, ce qui n'a pas marché, pas encore marché, marche plus davantage. Et moi, je suis en train de tenir comme cheval de mes idées pour voir le changement de la jeunesse s'articule de la manière suivante. Là, nous avons l'unité de jeunes, la paix, la solidarité et l'entrepreneuriat. Pour moi, je sais que aussi longtemps nous ne sommes pas unis tous, nous les jeunes, on ne sera pas ensemble plaider pour nos causes, pour nos problèmes. Il nous faudra être unis et une fois être unis, on va tous travailler ensemble en état solidaire pour chercher comment est-ce qu'on va apporter des solutions. Et une fois on est solidaire, je sais qu'on va tous travailler et voir comment est-ce qu'à la mesure du possible, en collaboration avec nos partenaires, promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes. Parce que je sais que si nous parvenons à promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes, cela va aider aussi d'une autre manière à occuper les jeunes. Et en occupant les jeunes, on n'aura pas les jeunes qui vont s'enregistrer dans les groupes armés, qui vont s'enregistrer dans d'autres antivaleurs, que tous nous sommes en train de voir ici à l'extérieur.